Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, c'est vrai qu'on est le soir. On est de retour sur le crowd control de Twilight Princess. Tu es prêt pour voir plein de puppets Zelda? Ouais non mais... J'avoue que j'ai hâte de voir des puppets Zelda pendant qu'on affronte un boss. Objectif aujourd'hui, on fait un donjon. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort, n'hésitez pas à me le dire avant qu'on commence. Je trouve que le truc du thème de la fontaine des fées, il est pas mal pour voir en fait. On va lancer la partie, je n'ai pas encore lancé le crowd control, soyez rassurés. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, le crowd control, c'est vous qui avez le contrôle sur le jeu. Voilà, c'est bon, j'ai lancé le truc. On va faire un petit test, évidemment. On va faire ça. C'est bon, ça marche. Voilà, c'est très bien. Donc là, par exemple, c'est moi qui viens de me faire apparaître. Ah, mais attendez. En fait... Ah non, il est toujours là, ok. Ouais. Est-ce que vous avez bien la fenêtre du code contrôle? Parce que moi, j'ai pas l'impression de revoir le truc de la dernière fois. Donc, vous avez des pièces gratuites, donc oui. Donc, non, parce que j'ai l'impression que j'ai pas le truc du navigateur, donc... bon, c'est pas très important, on me dira, mais... en fait, je sais pas à quel point ça vous intéresse de voir ce qui s'affiche. Ah bah non, c'est bon, ok. Non, bah c'est bon. Je veux dire, je sais pas à quel point ça vous intéresse de voir ce qui est... les effets qui sont sur le jeu ou pas, finalement. C'est vrai que je vous ai jamais posé la question, en fait. Donc... c'est quoi déjà le thème, là? Ah, oh, c'est le meilleur thème, ok. Ah, j'étais bon. Hein. Ah, j'étais bon. On est bon. Je crois que t'es dans la meilleure jaune, en tout cas, oui. Bon, c'est pas ça. Ah ouais, non, d'accord. Ah, oui, non, c'est bon. Ah bah voilà. Ok. Soyez pas trop méchants, soignez à ma place. Ah, vous avez tout intérêt à me soigner quand il se passe des trucs, quand vous faites des dingueries, parce que sinon après, bah, en fait, si on meurt, bah, il y a plus de combat. Donc quand il y a plus de combat, c'est un petit peu triste. Motivé à chanter aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, je vais baisser un peu le son dans les oreilles, c'est un peu fort. Haha. bref. Ouais, donc aujourd'hui, bon, quand même. La dernière fois, j'ai pas réussi, mais cette fois-ci, j'y compte bien. On fait un donjon quand même. On doit affronter un boss. Un autre boss que Zelda, d'ailleurs. Imaginez, en fin de compte, on n'a jamais besoin de faire un quelconque donjon et on va directement affronter Zelda en guise de premier boss. Ça serait incroyable, quand même. Bon, bref. Je voulais aller voir le domaine Zora. Qui est... attendez que je me retrouve. Voilà, qui est par là. Tu as toujours l'épée. Ouais, j'ai toujours l'épée, d'ailleurs. Incroyable, j'ai pu redeem les pièces de l'abonnement que j'ai fait il y a 7 jours. Ah, donc du coup, c'est bon. Ah, parce que j'allais vous dire que finalement, les pièces, tes abonnements, c'est mort. Mais en fait, non, c'est bon, en fait. Bon, bah, ok, je comprends rien, en fait. Non, parce que là, j'avais regardé... Justement, c'est vrai que je devais en parler. J'avais regardé pour les pièces, justement. Et ça me disait que... Ça me disait qu'en fait, les abonnements, en fait, il fallait passer par le crowd control pour les avoir. Et visiblement, non, finalement, puisque... Bah, finalement, vous avez réussi à en avoir. Bon. Écoutez, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Comme ça, au moins, bah, vous êtes bien, vous pouvez avoir des trucs. Pareil, j'ai pu le faire avant que Damien lance le rando, d'ailleurs. Ah bon, d'accord. Ok, bon, bah, très bien. Écoutez, bah, tant mieux.
finalement, si finalement rien n'a changé, bah vous pouvez toujours du coup soutenir la chaîne en échange, vous gagnez des pièces. Voilà, très bien. J'imagine qu'il y a un temps d'attente, tout le stream précédent ça marchait pas. Il m'a dit prends tes... Et là il m'a dit prends tes 100 pièces. Ouais, non, je ne sais pas. Hein. Non, mais en fait il y a un stream de décalage. Bah, surtout qu'en plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de crowd control. Donc c'est même pas une histoire de oui, vous les avez déjà ramassé les pièces du mois quoi. T'inquiète, Ethan, tu peux parler aussi pendant le stream de toi et Princess, c'est très bien. Je vois, là, ça commence à être taquin. C'est... Non, c'est... Voilà. Super. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a une vague de joyeux anniversaire à Tonnerre dans les commentaires YouTube. Alors, je trouve que c'est très rigolo. Parce qu'en fait, c'était hier. Alors. Vite, nous devons nous dépêcher. Ah ouais, ouais, d'accord, on doit se dépêcher, donc... Ça va un peu fatigué pour la fin de mon propre stream. Toujours présent pour du crowd control. Crowd control sur Monster Hunter World, when? Oh, il y en a de l'argent, là. Randomizer, ouais, on est en rando, on est en rando, on est en rando. Regardez, là, on va gagner un super objet là-dedans. Ah bah voilà. Ah bah voilà, je n'ai plus d'épée donc du coup. Voilà, ok. Très bien. Non mais... Ah, je viens de me faire arnaquer en puissance là. Yes! On est content. Bon. Non mais c'est pour se rééquilibrer, on était trop fort. Donc voilà, je comprends, je comprends. Bon. Donc, bah, je comptais éventuellement... Voilà, vous m'envoyez des trucs là? Ah bah vous avez renvoyé l'épée, genre, ah vous n'aimez pas l'épée d'Ordon, non, du coup, j'avoue que du coup, ah ouais non d'accord, ok, elle est équipée en fait, et je pourrais, je peux si je veux rééquiper l'épée d'Ordon. Ah ça y est, ça commence. Ah, par contre pourquoi ça ne veut pas viser l'ennemi, je ne sais pas. Vous n'avez jamais remarqué que toi et Princess avaient le même domaine Zora? En plus, là, le thème du domaine Zora, c'est... J'ai de retour pour taquiner. Ah, ça commence déjà. Je sais pas qui a envoyé un Reset Knight. J'espère qu'en tout cas, tu t'es bien amusé. Ouais, non, mais parce que voilà, je respecte toujours. Je fais du... Ah, bah là, c'est écrit. Ouais, bon, alors par contre, oui, je respecte, mais il n'y a pas forcément besoin de, de tuer tous les monstres non plus. Ça va, on va pas inverser les contrôles peut-être. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant ça devrait aller, je devrais plus avoir de soucis avec les contrôles inversés. Y a pas de problème. Bon, par contre je... Ouais bon j'ai pas le truc donc... C'est moi le Redhead et j'adore. Est-ce que j'ai gagné d'autres? Ah j'en ai gagné 3 quand même. Ok ok.
Jusqu'à minuit, passé minuit, le cerveau d'Emu peut encore casser. Non, mais la dernière fois, c'était... comment ça s'appelle? C'était le truc du perroquet là, qui m'avait complètement cassé. Mais maintenant, j'ai plus besoin de le faire, donc ça devrait aller. Donc tout va bien. Il y a un bouton qui va me faire rire. Ah. Oh, allez, Moubot, sois pas si taquin. Attends. Hop, je te débanne. Voilà. Bon, aujourd'hui voilà, on commence tranquillement pour le moment. Hein. C'est encore un peu de promenade. Bah, tiens, d'ailleurs, on va pouvoir aller chercher le loup en fait. Comment on peut interagir avec le crowd control? Alors, tu as sur le côté du chat, quelque part, un bouton sur lequel cliquer qui te permet d'avoir accès aux fonctionnalités du crowd control. Waouh! Bon. C'est pas comme si j'en avais besoin, mais c'est pas grave. Au revoir. Ouais, ça m'intéressait pas, figurez-vous. Bon, 14 juillet, bah merci, et puis bah joyeux 14 juillet à tous. J'espère que vous avez pu profiter des feux d'artifice si vous en avez eu hier. Et si bah je peux pas dire, j'espère que vous en profiterez aujourd'hui parce que bah si vous êtes là, ça veut probablement dire que vous regardez pas le feu d'artifice. Enfin, s'il y en a un aujourd'hui chez vous. C'est la map de OC dans Twilight Princess. Twilight Princess a toujours ressemblé à OC. Alors, qu'est-ce que tu entends par OC? OC. 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 Ocarina, bah c'est OOT en général qu'on dit pour Ocarina. Alors, votre ville a fait des feux d'artifice comme d'habitude. Allez, on en a fait hier. Allez, encore un peu d'argent parce que j'en ai pas assez. Ah, aujourd'hui, le chevalier servant de notre cher Macaron n'est autre que. Oh! Ah oui, d'accord. Ah, ouais, non, bah ok. Hein. Ah, mais j'avais aussi une sauterelle en fait, j'avais pas vu. De toute façon, je l'avais déjà la dernière fois, je l'ai pas donné en fait. Ah yes, super, un phasme. Attends-le. Oh. Attends, il est passé où l'autre là? Parce que... Mais il est passé où le Dinolphos? Du coup, faut que je donne le phasme maintenant. Ah oui, non, mais d'accord. Ah, mais il y en a plusieurs, donc. Faut le savoir. Vous avez fait pop un Kakarok! Incroyable. Et non, mais c'est la fête ici. Hein. C'est trop bien. Chez Macaron, c'est vraiment à l'inviter tout le monde. C'est trop bien. Bon, je suis un peu déçu. Attends. J'en ai encore ou pas? Non. Je ne vois rien. Oui, je sais. Par contre, j'aimerais savoir où est-ce qu'il a été, notre cher monsieur. Notre cher monsieur. Je voulais juste monter en fait les escaliers. Je vais mourir juste parce que, enfin, l'échelle c'est même pas un escalier. Je voulais juste voir s'il était pas là-haut en fait par hasard. Vous avez mis tout le monde ici. Incroyable. Non, il est pas là. Je sais pas où il est passé, le Dinolphos. Ah, il a disparu. Le pauvre. Non, mais comment je redescends là? T'es pas là?
Eh, vous êtes... Ah, vous êtes méchant, hein, franchement. Et l'autre, il tape dans le mur, il peut pas me frapper, genre... Ah, il est... Et il est parti, le Kargarok. Ouais, je crois qu'il est parti aussi. Il est parti rejoindre Dinolfos. Bon, alors, désolé, hein, je sais que j'ai dit que je me battais, mais je ne peux pas me battre ici. Bon, très bien. On a gagné des trucs sympas, là, quand même. Donc... Moi, je n'ai rien fait. Je voulais essayer. Non, mais c'était très bien, c'était très bien, c'était très bien. C'était rigolo, c'était rigolo. Ah, oh, mais c'est Luigi, non, mais regardez-le. Non, mais lui, c'est Luigi, hein. Bon, bah, il y aura... Bah, voilà, Luigi, typique, hein. Regardez-le, il s'enfuit. Ah bah, bon, de toute façon, Luigi nous montre le chemin. Voilà. Qu'est-ce qu'il est sympa, Luigi. Il fait nuit, donc non à la nuit. Faudrait que j'essaye un truc la nuit, quand même, ceci. Bon, j'ai toujours pas gagné. Mais je vais retourner à... Au final, en fin de compte, là, on va rester dans la promenade. On va rester dans la promenade, pour le coup. Tu viens de kidnapper un chien. Oui. C'est mon meilleur ami. Bref, aujourd'hui, je vais faire le tour. Je vais retourner au début du jeu. Et je vais tenter des trucs. C'est lequel ton méchant préféré? De Zelda. C'est trop bien, vous mettez la nuit, vous mettez le jour, vous mettez la nuit, vous mettez le jour. Mon méchant de Zelda préféré. Je pense que je vais partir en réponse sur... Attendez, juste un instant. Regardez ici. Je vais partir sur peut-être... Ganondorf Devil Warrior, il a un style hein, quand même. Allez, on va dire Ganondorf Devil Warrior. Bon, faut pas que je manque... les objets. Ça c'est des chuchus. Je sais plus trop où ils sont. Est-ce qu'il y a des insectes ici? Là il y a un fantôme. Ah, il y a un coffre aussi. Mais je crois qu'il faut peut-être la double. Vati bien sûr. Eh, c'est vrai que Vati il est là en fait. C'est vrai que Vati il est stylé aussi. Ouais, non, il me faut les flèches bombes. Et ça tombe bien. Nous avons les flèches bombes. Aussi appelé le meilleur objet du jeu. Voilà. Mais j'avoue, attends. Ah oui, oui, non, ok, non, ok, j'allais dire, par contre, j'allais dire, il me semble qu'Amidonald pouvait changer la nuit en jour et le jour en nuit. Oh! C'est le coup de grâce, ça, du coup. Mais oui! Oh, purée, on a gagné le coup de grâce. Incroyable! Incroyable! Finalement, on pourra finir le jeu, en fait. Tout va bien. Oh,
Oh, attends, je veux juste... Non, pire, il faut que j'arrête de faire ça. Ah non, ils écrivent pas ce que je suis censé faire, déjà. Je sais plus ce qu'il faut pour faire pour activer le château de Ganon, donc on est bien. Trop bien, le jeu est facile maintenant. Merci beaucoup Yuna. Yuna Jules pour l'abonnement. Il est déjà là lui. Je suis trop grand. On est bien, on est bien, on est bien. Il est mort, lui? Oh, et c'était dur. Hein. C'est Link géant de Wind Waker, je reconnais. Ah non, mais c'est terrible ce truc de, dans les combats, là, de changer la taille de Link. Hein, franchement. Donc, on a les pièces gratuites. Ah, cool, un quart de cas. Bon, lui, je pense qu'il est mort. Hein. Attendez, mais qu'est-ce qui vient de lui arriver, là? Bref, pour avoir les pièces gratuites, il faut aller dans un onglet dans un truc, sur le côté. Et je donne globalement 50 pièces toutes les heures. Bon, très bien. J'ai voulu changer la forme de Link, mais ça ne l'a pas fait. Ouais, malheureusement, la forme de Link, c'est compliqué, parce qu'à partir du moment où je fais le moindre truc, ça marche plus, en fait. C'est vraiment genre le truc, il est vraiment instantané, et si... Et si... Oh, purée, il me faut les bonnes. La porte n'est pas ouverte. Ah mince, j'ai plus Midona, en fait. J'allais dire... Bon, je vais voir si je peux pas me téléporter. Eh bien, vous m'avez mangé Midona, donc non. Yes, rip Midona. Rip Midona, il n'y a pas d'effet pour dents. Ah! C'est pas grave en fait, si jamais il y a Midona mais qui est pas sans... S'il est pas censé y avoir d'effet, c'est censé durer 30 secondes, j'avoue que là j'ai pas trop fait attention si ça faisait... J'ai pas trop fait attention si ça faisait plus de 30 secondes effectivement. Mais... Je vais réattendre 30 secondes au cas où. Mais normalement je peux le fixer le problème en fait. Maintenant on peut, et ça c'est bien, parce que c'est vrai qu'il y avait des petits soucis je crois, c'était dans Ocarina of Time ou quoi. Je crois qu'à un moment vous m'avez mangé des crapins, des trucs comme ça là. Et du coup c'était fini. Bon, je pense qu'effectivement je peux affirmer que
effectivement, elle est partie. Donc normalement, je peux... je peux pas en fait. Ça marche pas. Donc attendez, c'est quoi ça? Ça marche pas genre... Non, ok, le crowd control a bugué. Très bien. Non, mais... Bon bah, finalement vous allez avoir 50 pièces gratuites en fait. Simplement parce que le truc a complètement bugué. Bon. Bah voilà. Faites-vous plaisir. Profitez des bugs du crowd control. Vous avez le droit à 50 pièces gratuites. C'est cadeau. Je peux me téléporter quelque part ou pas? Ah mais je peux me téléporter partout en fait! Attendez, mais comment ça je peux me téléporter? Ah non, ça va. Ah bah je veux... Bon, attends. Attends. On va faire un truc. Ah, tu peux pas changer le jour? Hurry, let's go to the from the first time. Je m'offre maintenant un portail. Ça m'a en partie remboursé les 5 coeurs. Bah des fois oui, effectivement, quand il y a des trucs dans le machin qui ont pas été lancés, bon bah, ça vous les rend. Bon, bah finalement, ça va. Bon, les effets refonctionnent, donc tout va bien. Bon. Je sais pas s'il fait nuit, là. Est-ce que je veux essayer un truc, genre, est-ce que je peux aller chercher l'épée quand il fait nuit? Parce que finalement, je ne l'ai pas fait la dernière fois. Salut Rapoc, ça va et toi? Ah, c'était sans compter sur Link Test hein, qui a remis le matin. Je t'ai vu. Je l'ai vu le changement. C'est Vati là. Ah, finalement. Tu t'es fait voler ton travail. Bon. Alors. What? Mais c'est ouvert. Quoi? Mais c'est complètement bugué. Non, je peux toujours pas y aller donc. Vous avez enlevé les acteurs en fait? C'est loqué. Ok. Oh, comment j'ai évité l'explosion avec... Avec quel talent? Je mange les acteurs, oui. Bah oui, visiblement. Attends. Mais là, il fait toujours nuit, donc. Bon. Il se passe quoi si je rentre dans la maison, finalement? Toujours bloqué, ok. Ah mais maintenant... Bon. Ça change les hitbox de l'épée, mais pas du reste. Bon attendez, on va entrer. Alors, ils ont vraiment fermé partout les gars, hein, genre... Oh, non, s'il vous plaît, bon, parce que... Vous êtes en train de lancer 1 milliard d'effets, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais... À part changer le jour en nuit. Mais vous avez remis la nuit. Attendez, je crois que ça a encore recrache. Hein.
Ça a recrash, je crois. Ça a recrash. Ça a recrash, je crois. Attendez. Ne faites rien, ne faites rien. Ne faites rien avec le crowd control. Je crois qu'il a encore recrash. Il a recrash, ok. Bon. Bon, bah ça va, vous avez encore 50 pièces gratuites. J'espère que vous êtes content. Hein, parce que... En fait, je le vois quand est-ce qu'il crash parce que... En fait, il me montre... Enfin, pendant un instant, la fenêtre écrit qu'elle s'est déconnectée. Bon, alors du coup, est-ce que je peux... En fait... Depuis... Qu'est-ce qui se passe? Ah donc, l'épée est là. Ah donc, ok, donc l'épée est là, donc. Bon, très bien. Donc, bon, bah alors ça veut dire que le bouclier... Ah, mais... Mais attends. En fait, vous l'avez jamais changé, le... Le stick, si. C'est pas genre la première fois où vous le faites. Enfin, à part dans le mini-jeu. Dans le mini-jeu, oui, vous le faites. Je me rappelle, mais... Attendez, il y a l'air d'avoir un truc. Ah, mais vous avez désactivé Midona! Ok. Ah, mais c'est pas grave, regardez, nous pouvons contempler un magnifique endroit. J'espère que ça compte en fait ici, que je perds bien du temps. Ouais, par contre, j'avoue que. J'espère en tout cas que ça va arrêter de crash comme ça. Je veux dire, en plus, vous avez pas de... Vous avez pas de coupure, vous, sur le stream, du coup. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le crowd control, le problème, et pas moi, du coup. C'est ce que je veux dire par là. Ça compte pas ici, je crois. D'accord. Je crois que ça a encore bugué, genre... Vous pensez que ça a encore bugué là? Non, c'est bon, là, y a un rat. Bon, bah, vous faites apparaître des trucs, donc a priori. J'ai eu une deuxième coupure après la deuxième fois que tu as remarqué le bug. Ah, donc finalement, ça serait peut-être moi le problème. Voilà, un classique celui-là. Je l'ai eu aussi. Cette coupure. Donc, ok, donc on serait donc sur un... Donc ce serait peut-être moi le problème, donc. Enfin, plutôt moi. Bon. La connexion, le problème, quoi. Donc. Nous avons une connexion point très stable, là. Ce qui est un peu pénible pour le coup. J'avoue que là... Non, bon, ça va, il y a toujours des effets qui se lancent. Bon, est-ce que Midona a encore buggé, là, par contre? J'avoue que... Bon, en tout cas, il y a des effets qui se lancent. Donc, a priori, je vais admettre que... Mais Midona a l'air de te bugger, non? Mais non, mais ça arrive à lancer des effets. Bon, je pense que Midona a encore bugué. Hein. Mais au moins, c'est pas le jeu qui a bugué. Enfin, vu que vous avez l'air de dire que vous voyez peut-être un chronomètre.
attendez, bon, je vais essayer de regarder moi-même. Parce que là, on a Wide Link, ok. Oh, donc du coup, il n'y a pas l'air d'avoir de Midona. Hein. Bon, ouais, je vais fixer Midona, il semblerait. Ah, décidément, aujourd'hui, ça n'a pas envie. Hein. Donc si je fais ça, voilà, bon, ok, Midona est revenu. Je sais pas ce qui c'est. Bon, c'est bon, j'imagine que c'est vous. J'avoue que... Je pense que j'ai désactivé Midona, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est le vilain bouclier, ok. Ah non, du coup, ça... Yes. Bon. Il y a deux personnes qui ont voulu changer de forme, sauf que tu étais transformé en loup puis en humain. D'accord, très bien. Bon. Écoutez. J'allais dire bon. J'allais me téléporter, mais... Encore, encore des rats. Bon, allez, voilà, là on le fait le vrai combat, là. C'est bon. Quoi? Qu'est-ce qui me touche? Un rat! Ah, j'ai plus d'épée. Ah bon, bah si j'ai plus d'épée... Je ne peux plus me battre. Non mais la musique est complètement cassée. Il est complètement cassé le beau gobelin. Il est magnifique. Bon, je crois que l'épée a encore bugué là, du coup. Hein, on est de retour sur l'épée qui a bugué. Parce que... Ça m'étonnerait que... Il y a Fixor ou pas? Ah ouais. Ah non. Ah non, je pense qu'en fait... Ah bah non, ok, j'ai... Quoi? Mais... Mais... L'épée dure plus de 30 secondes. Ah d'accord, l'épée dure plus de 30 secondes, d'accord, frère. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai regagné cette épée, là, par contre, genre... Bon, du coup, je n'ai plus d'épée de légende, je ne peux plus la battre. Bon, c'est pas grave. C'est la meilleure épée du jeu aussi, ouais non mais il est vrai que... Attendez, mais pourquoi j'ai l'épée d'Ordon maintenant? Ah mais vous l'avez peut-être modifié en fait. C'est peut-être vous. Ah ouais, on peut même... J'allais dire, on peut même faire ça, regardez. Très bien, on l'a touché. Ah, d'accord. Quoi? Attendez, mais c'est quoi ça?
Ah bon, d'accord, vous avez mis une... Ah, vous avez mis un... Mis un rat aussi. Finalement, c'est plus facile quand il y a plein de Zelda en fait. Si ça se trouve, je la touche même pas en fait, l'épée. Pas l'épée, mais. Là, vous avez ennemi infini en fait, genre. Attendez, vous pouvez faire apparaître ça? On peut les battre avec Link. Ah, c'est pas gentil. Oh ouais, carrément. Du coup, j'imagine que l'épée elle est à nouveau. Ah non, c'est bon. Ah non. Ouais, là, ça, j'imagine que l'épée est... Ah voilà. Elle est battue. C'est bon. Nous avons vaincu Zelda. Et ça, c'est beau. Un classique toujours. Bon, je voulais pas me. En fait, elle meurt out of bounds. Ah, j'imagine. Par contre, c'est mon stick qui a des problèmes ou quoi là, parce que des fois, ça veut pas descendre. Hein. Bon. Non, non, mais là, on s'est bien battu. On a bien réussi à vaincre, à aussi la terrible Zelda. Donc, tout va bien, tout va bien. Bon, finalement, en fait. Le fait est que, en fin de compte, on n'avance pas dans le jeu aussi parce que vous faites apparaître un milliard de monstres et que j'ai dit ouais, non, je les affronte tous aussi. Donc, du coup, alors, Marc, aujourd'hui, on a fait un peu de progrès. On a gagné. On a gagné un arc. Donc, c'est pas mal. Je vais dire, je sais pas trop à quoi ça va nous servir. Eh, mais attends, mais oui, en fait. Vu que le Teasable Midona est buggé, est-ce qu'il faudrait pas le retirer ou augmenter son prix? Non, c'est pas grave, parce que, en fait, je peux le fixer moi-même, en fait. Au pire, vous me dites, dès que ça fait... Enfin, ouais, non, au pire rien, je peux le fixer moi-même, donc c'est pas très grave. Puis au moins, ça me fera voir si jamais ça rebug, en fait. Je retrouve le quart de cœur. Je me perde pas trop, parce que finalement... Maintenant que j'ai le grappin... Je sais pas si le grappin peut récupérer le quart de cœur. Ah, faut que je rejoue un peu plus souvent à Twilight Princess, hein, parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok. Un knight aussi, un knight ça tape tous les ennemis normalement si je comprends bien. Ouais, c'est à peu près l'idée aussi. On peut pas s'en empêcher si on voit du combat. Ah mais attends, il n'y a pas aussi un... Je crois qu'il y a un coffre là-bas.
Si je vois un ennemi, je frappe. Par contre, le Link aussi, en fait. Enfin, ça, ça... Oh. Vous avez remis Zelda. C'est vraiment votre personnage préféré du jeu. Ah, puis le rat aussi. Hein. Maintenant, c'est les nouveaux méta, maintenant. Il y a Zelda plus un rat. Vas-y, son attaque, elle va passer au moins ou pas, là. Oui, elle passe, en tout cas, quand même. Elle y arrive, elle y arrive. Ouais, mais je, quand je... Bonjour. On est bien, là. Hein. Elle est bloquée, elle peut pas venir. Là, vous allez jalouse, elle a pris un rat. Bon, c'est quand même moins stylé. On regagne un peu d'argent, c'est sympa. Elle m'a raté, bien joué. un gros combat de qualité. Mais on est au crépuscule, donc... Ouais, non, faut vraiment faire des attaques tornades. Ça marche mieux. Ah, bon, bah... On va aller se promener. On va aller au parc comme un peu végétal. Regardez-le, lui, là. Ah bah elle est sortie finalement. Ah, tu vois Zelda qui arrive finalement. Le cri de Redhead est toujours aussi inexistant. Bah tout comme le thème de Zelda finalement. Combat de l'infini. Ah bah il pleut et tout. Non mais là on est dans. On a une sacrée ambiance hein, quand même, finalement. Ah bah il est là! Oh mais regardez! Non mais attends, je m'en fiche. Mais d'ailleurs c'est qui m'a projeté comme ça? Bon je sais pas mais. Attends Zelda. Je vais te voir dans un endroit random. Bah je pense qu'il va m'emmener dans... Il a l'air de m'emmener dans... Bonjour le rat. Il a l'air de m'emmener dans le... Ouais bah évidemment il fallait venir un rat hein, quand même. Ah, non, toujours la petite explosion. Les projectiles qui sont invisibles. Ah ouais non mais c'est fantastique. Y'a qui me frappe en fait là? Qui me frappe? Y'a un soldat invisible. Mais... Mais non mais on dirait que c'est elle en fait. Une attaque qui repousse en fait? Bah, je sais pas, j'avoue que je connais pas d'attaque qui repousse d'elle. Là elle fait. Ah non, elle fait rien en fait. Bonjour monsieur.
Ouais, j'ai raté. C'est Zelda, ouais, il semblerait que Zelda. Il faut faire les... Ce serait pas son triangle de lumière? Bah, à un moment, il était apparu, le triangle de lumière, donc je me dis que... non. Ouais, bon, on était trop loin. Mais viens, Zelda, je veux juste aller chercher le dernier. Mais tu vas trop loin, Zelda, tu viens pas. Le rat, hein, quand même, toujours. Voilà, nous avons éliminé Zelda. Ah, regardez. Fantastique, merveilleux. Bravo Zelda. Le terrain n'est pas plat, donc ça va peut-être apparaître le triangle de lumière sous le sol ou un truc comme ça. Non, 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 non. Non, vous m'avez mis là. Ah non, quoi que, attends. Je peux partir? Non, je suis bloqué. En fait, non, ok, d'accord. J'ai l'impression que ça a l'air de choisir complètement une carte aléatoirement, en fait. Bon. Attendez, j'avais pas fait apparaître un loup quelque part, moi. Moi j'avoue, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais c'est moi là où on a tout en fait. Finalement, on va peut-être bien affronter Zelda en tant que boss en fait. En tant que premier boss en fait, finalement. On riait. Mais en fait, je sais plus c'est quoi la condition pour ouvrir le château d'Hyrule, mais. Si je peux ouvrir le château d'Hyrule en soi. J'ai fini le jeu en fait. Je crois que j'ai besoin de rien d'autre. Bah en théorie, j'ai pas l'épée de légende. Donc en fait, je peux finir le jeu uniquement parce que vous êtes là en fait. Donc. Où est déjà l'objet du coin. Mais attends. On n'a pas eu assez avec toutes tes ailes d'attaquine. Non mais j'aurais trouvé ça. Mais c'est bon. Je sais plus où il est l'autre. C'est vrai qu'il était là, mais. Je ne vois rien. Bon après il y a peut-être rien d'intéressant en fait. Bon, c'est pas grave. Je vais me téléporter. Je vais me téléporter au château d'Hyrule. Mais on va voir en fait. Il y a peut-être un truc qui te dit. La vraie boss Zelda plus 10 autres pendant le combat. Ah, mais j'espère, hein. J'espère. Je compte sur vous pour. Je compte sur vous pour. Pour qu'on ait plein de. J'ai pris toute ta tête depuis le mini-jeu de l'enfer. Ouais, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Commence à économiser. Bon, après je dis ça, mais bon, est-ce qu'on va vraiment l'atteindre, Zelda? Qu'est-ce que le crowd control? C'est trop bien le crowd control. Voilà, une sage réponse finalement. Le crowd control, sinon c'est le chat qui peut contrôler le jeu. Non, ça me dit pas ce qu'il faut faire. Hein. Ok. Ce n'est point grave. Bah non. Je vais pas repartir. Je vais aller voir. Mademoiselle Macaon. Pour lui donner les quelques trucs que j'ai gagnés.
Bref, oui, vous contrôlez le jeu, vous pouvez envoyer des petits effets rigolos, du style donner des points de vie, faire apparaître des rats, faites affaire. Allez, regardez lui. Il va vouloir se fighter avec Link. On va faire un duel de garde. Regardez comment Link il fait peur là. Gardez-le. Vous pouvez faire des farces, ouais, c'est vrai, des farces un peu. Vous voyez à quel point Link fait peur là? Ah bon, bah finalement. Ils sont énormes les Dinofos parce qu'ils t'oublient complètement. Regardez-le là, ça y est, il vit sa vie. Il va au marché, il va aller chercher à manger. Non, mais vous êtes toujours bien timé à chaque fois. C'est beau. Ah oui, j'ai gagné 2. Donc. Bon. Yes. Vous aimez bien à me faire apparaître des Dinolfos dans le... Oh, ah bon, d'accord. Ok. Ah non, attendez. Donc là, je peux faire 2 donjons, en fait. Je peux faire 2 donjons, c'est bon. On va aller faire 2 donjons. Finalement, l'objectif va être atteint. Tout va bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pas l'air d'avoir fait apparaître un monstre, donc c'est bon, je peux me téléporter. Ça vient de là l'expression fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ça doit être ça. Bon, c'est parti. Voilà, ça va être le moment là. On va aller faire un. Une explosion, merci. On va aller faire un boss. Rendez-vous compte. La princesse des papillons qui carie le jeu. Non mais c'est vrai, hein, finalement, elle a donné pas mal d'objets sympas. Free Link. Ok. Allez, calme-toi Link. Calme-toi, c'est bon, ça va aller. Quand mon explosion ne se lance pas. Alors. Alors, on a combien de singes là? On en a splat. Ok, très bien. Et mais encore. Bon, est-ce que. Attendez, il faut probablement que j'aille chercher l'autre singe là qui ne veut pas venir. L'autre singe complètement bugué encore là. Quoique en soi. Je sais pas à quel point j'ai besoin d'aller chercher le singe en fait. Bon, c'est pas grave, je vais lui faire plaisir quand même. Allez, on est gentil. Attendez, mais il s'est refait enfermer, lui! Bah, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué, j'imagine, mais...
C'est bon, bravo. Donc c'est bon, cette fois-ci, tu veux bien... tu veux bien qu'on... Non, tu veux toujours pas, en fait. Ah si, c'est bon, il veut bien. C'est tellement un serve de mettre Macaron dans Hyrule Warrior. Un serve. Pas de bouteille? Toujours pas de bouteille, non, oui. Un Master Sword qui fait trop de dégâts. Ah ouais, non, mais Master Sword. Ah non, c'est vraiment la grande clé, elle a pas bougé. Elle. Moi, je sais que j'ai pas mis un Key Sanity, bon, parce que le but c'était pas non plus que le machin ait dure 30 ans et demi. Donc. À la base, je me disais que je voulais peut-être faire au moins un donjon, tu vois. Chose qui n'a absolument pas marché la dernière fois. Et bon, voilà, je peux en faire deux, donc ça va. Bon, je crois qu'il y a d'autres singes que je dois aller sauver encore. Il m'en manque un, je crois. Ici. Est-ce qu'il arrive en dehors devant une rediff? J'avais pas vu tous les objets obtenus. Mais attends. Bah là t'inquiète, ce que j'ai gagné le boomerang et l'arc je crois aujourd'hui. Ah non, j'ai aussi gagné l'air rouage en fait. À la place on a battu Dark Zelda. Oui bon, après on l'a battu. On l'a battu 55 fois quand même. Hein. Faut le savoir. C'est des singes tatoués et tout, hein. Ça ne rigole pas. Tu as oublié le rando de ce Skyward Sword qui s'est fini avec seulement 3 donjons de fini. Ah mais j'avoue Skyward Sword là. Le singe alpha drop quoi si... Bah un objet aléatoire du coup. Du coup on va bien voir ce qu'il va nous donner. Ah mais... Ah mais d'accord. Ah mais on peut le battre en un seul cycle du coup. Ah, moi je croyais que... Ah mais... Ah ok. Ah d'accord, ok. Je pensais qu'il était quand même en deux phases, quoi qu'il advienne. Mais visiblement non, ok. On peut le battre avec son propre objet. Je pense pas. Regardez, j'ai gagné un magnifique boomerang, mais en réalité, c'était une clé. Bon, c'est bien aussi. Le fait des clés de la forêt. Boomkele, tu fais comment si t'as pas le boomerang, tu save and quit. Comme ça, bah tu peux revenir directement.
Tu reviens directement à l'entrée du donjon. Ça va, mais Zelda c'est plus sympa que Metroid, parce que dans Metroid effectivement quand t'es bloqué. Bon par contre il manque toujours un singe. Ah mais oui mais en fait j'y suis jamais allé en fait là. Mais en fait c'était normal, tout simplement normal que je n'avais pas tous les singes, puisqu'en fait, en vérité, effectivement, tous les singes ne sont pas sauvés. Puisque je ne pouvais pas aller là, en fait. Enfin, je pouvais, mais... Je ne pouvais pas y faire grand-chose. Ouais, je trouve que c'est lui. Oh! En fait, ça, je sais même plus à quoi ça sert en fait. C'était vraiment utile ça? C'est pas pour l'hameçon? Ah oui, si, si, c'est ça. C'est ça. Ah, vous y croyez encore au fait que je vais pas trouver de. Je ne vais pas trouver de tenue Zora encore et ça va être un truc random que je vais pas faire parce que je vais oublier. Il est en train de me dire que je pouvais aller dans le troisième donjon, mais en fait non. Tout va bien. J'ai pas envie de faire le troisième donjon. J'ai pas envie. C'est speedrun. Non. Parce que si je voulais speedrunner, je ferais pas du crowd control. Bon, en vérité, c'est vrai que... Ah, ce serait pas mal quand même que j'apprenne un petit peu mieux Twilight Princess, là, parce que... Bon, on se le dise, c'est pas... C'est pas fou, fou. Que je fais. La clé du singe a quand même servi. Bah, dans la logique, je pense que, ouais, effectivement. Bah, après... Ouais, j'ai gagné quoi, oui. Un speedrun crowd control, ça doit être amusant. Mais en vérité, parfois j'y pense. Hein. Et y a plein de speedruns que je me dis que ça pourrait être super sympa de les faire. Enfin, des speedruns un peu spéciaux, mais genre je pense par exemple à un speedrun OOT, mais en multi en fait. Et genre, mais genre en espèce de glitchless ou même Majora pour le coup. En glitchless et le but c'est de finir le jeu plus vite, mais en ayant plusieurs personnes qui font chacun un truc spécial en fait. Et je me dis bref, ça devrait être sympa je pense. Enfin genre dans Ocarina of Time, je me dis quand même que il y a juste un seul passage où t'as le droit de faire un glitch, c'est le passage du début. Où t'as le droit de sortir de la forêt Kokiri pendant qu'il y en a un autre qui fait l'arbre Mojo, justement. Parce que sinon, bon, l'intérêt est moindre, sinon... Mais c'est sûr qu'on peut faire un speedrun crowd control qui peut être rigolo aussi, genre... Bon, c'est le speedrun de la richesse, par contre, du coup. Mais... Quoique bon, en soi, tu peux mettre tout à 1 en fait. À une pièce avec 50 pièces, voilà, si t'as pas mal de viewers, ça fait 50 multiplié par 1. Ouais, bah c'est bien ça, bravo. En vérité, ouais, il y a moyen. Je sais plus ce qu'on peut faire comme... Je sais plus trop ce qu'on peut faire de trucs positifs dans Ocarina of Time ou Majora.
parle d'Ocarina of Time ou Majora parce que bon bah finalement c'est le jeu que je connais le mieux, donc à speedrunner c'est un peu ceux que je pourrais le mieux faire. Un petit Majora à chacun qui fait un temple qui fait le temple de l'eau. Bah en vérité je pense que ça c'est, je pense que ça peut être un concept cool. Moi je pense que ça peut être un concept cool. Ah, c'est une idée que j'aimerais bien faire en tout cas, un jour. Je pense que ça serait compliqué pour la concurrence, oui, bon après, c'est vraiment pour rigoler de toute façon, bien évidemment, ce n'est pas une catégorie en soi. Tout mettre à 1 sauf les trucs négatifs, tu peux les... Mais de toute façon, tu peux les désactiver, les trucs négatifs, de toute façon. Donc... Donc c'est tranquille, en vérité. Genre là... J'avoue que bon... Là, qu'est-ce qu'on a de beau dans... Dans Twilight Princess? Bah déjà, vous pouvez donner des épées à partir de là. C'est pas mal abusé quand même. Ah, du coup j'ai pas gagné de clé en fait. J'ai pas récupéré quelques clés. Il y a un objet que j'ai pas récupéré là. Il me manque un objet là, par contre, pour de vrai. Genre... parce que... Il me reste une porte fermée mais je n'ai plus de clé. Peut-être que le boss te donne la clé. Bah, c'est possible effectivement, sauf que... Bah, je peux pas aller au boss là. Parce que oui, il me manque un singe. Si, si, j'ai la boussole justement. Et la seule clé qui me manque, enfin, le seul coffre qui me manque, il est caché derrière cette porte. Porte qui est bloquée par une clé. Tu as bien récupéré Baba? Oui, j'ai bien Baba. Puisque, bah, elle est là. Parce que, attendez, il n'y a pas d'autre objet. Il n'y a pas d'objet posé sur le sol, si ce n'est celui de la plante Mojo. Crowd a contrôle à bugger. Attendez, je vais regarder. Ah oui, effectivement. Bon. Bon bah je vais le relancer alors. Hein. Là, par contre, il m'a pas montré qu'il l'avait bugué, mais bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé.
Bon. Bon, alors comment on fait déjà le long jump là? Non, c'est pas comme ça, très bien. Ah, oh, pas très gentil ça. Finalement, j'aurais peut-être pas dû réactiver le crowd control en fait. Ah, zut, j'ai bougé. Explosion, ça envoie en arrière et pas en avant. Bon, non, c'est pas comme ça. Bon, il va falloir que j'aille chercher comment on refait un truc. Ça va être bien. Figurez-vous que j'ai dormi depuis. Alors, lancer les boomerang over void. Oui, il va revoid locking, donc on n'est pas obligé. Lobby over, red jump to attack. D'accord, donc ouais, c'est ce que je fais. Donc, pourquoi ça marche pas? Bon. Je vais mourir, hein, ça va être bien. Y a pas de logique, c'est un rando. Alors techniquement, il y a une logique, mais pas viser un peu plus bas. Bah justement, là, je vise plus bas, donc normalement, ça devrait marcher. Bon, par contre, ça serait bien que les inputs y réagissent aussi, hein, parce que allez. Ah bon, ok. Donc jump attack est impossible when ink attack are targeting an enemy object or the boomerang is targeted is over void. Ah non, c'est plus haut que Link, d'accord. Bah, c'est pour ça que ça ne marche pas en fait. Faut le faire plus haut que Link et pas plus bas. Très bien. Bon, après, il faut bien le faire. Ok, bon, ça devrait aller. Ou pas. Ouais, je sais pas s'il est plus haut que Link, là, en fait. Bon, il avait l'air quand même. Mais... Maintenant le plus dur, exactement. Faut se rappeler. Je sais que je l'ai fait une fois, quand même, donc. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Il n'y avait pas besoin d'être aussi méchant, quand même. Pourriez au moins attendre le boss. Qu'on fasse un truc quand même.
Je le faisais peut-être de plus haut encore. Alors c'était peut-être mieux là. Voilà, c'est bon. C'est bon, on avance. Question, est-ce que si quelqu'un offre un sub à quelqu'un, cette personne recevra les pièces d'abonnés? Oui. Ah bon, très bien. Ah, j'aime beaucoup le combat de boss moi aussi. Oui, bah bien. Bon, allez, vas-y. Vas-y, petit Redhead. Vise pas lui, vise pas lui. Oh là là là. Bon, il y a trop d'ennemis du coup, c'est trop la galère. Non mais vise pas Zelda aussi, genre le jeu, pourquoi tu vises Zelda? Non mais vous mettez tous les ennemis en même temps. Faut déviser en fait. À un moment, faut déviser en fait. En fait, quand tu pointes vers... Non mais ok, d'accord. Là, c'est mort, je peux plus déviser. C'est cool. Ah non, c'est bon. D'ailleurs, je pointe en bas, mais... Ça ne veut pas. Bon. Incroyable. Il y a le Darnold qui me frappe. Il me pousse! C'est trop méchant! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc par terre là, genre. Et puis il y a le soldat là, il se balade dans le poison. Trop bien, il y a bien des feux d'artifice hier et aujourd'hui. Ouais, non, mais. Ouais, bon, alors ça va être mort en fait. Promis, je te vise dès que je peux en fait, mais. Ah, bon, j'ai réussi. Oui, non, mais en fait, je pensais que t'avais visé un truc au moins, mais non. Non, visiblement pas envie.
me demande à quel point hier, le feu d'artifice d'hier était pas juste un test en fait, hein, finalement. Il a voulu qu'un coup, le gars. Hein. Genre, pas envie, merci. Oh purée. Oh purée. Vous étiez anti-épée. J'avoue si je... Techniquement, je pourrais utiliser mes propres bombes, hein, mais... Mais le rat, mais le rat... Ah, vous l'aimez trop, ce rat. Hein. Je veux savoir ce qui va se passer quand il y aura avec tous ses ennemis. Yes, je l'ai. Ah non, j'ai été trop rapide. Ah non, ils sont toujours là, hein, les ennemis. Regardez. On ferait le rubis de la partie, le rat de la partie. Ah ouais, non, mais là, totalement, on y est. Mais non, elle était vraiment là. Regardez-le, lui, il est malin. Alors Zelda ne bouge plus, elle, au moins. Et puis, comme Link, il se téléporte, t'as le Darnut, il est pas content. Fusée de Shadow. On dirait qu'il y a de la mousse dessus. Ouais. On essaie de battre Zelda. On va voir ce qui va se passer. Je vais peut-être sauvegarder avant, on sait jamais. Il y avait le grappin dans ce donjon, mais c'est pas inutile. Mais du coup, le donjon est prévu pour que tu le finisses pas. J'avoue que peut-être qu'effectivement, c'était pas nécessaire comme objet. Enfin... Mais il faut se faire toucher, Zelda. Attends, I get you, bien sûr. Il est malin, le Darnut, hein, quand même. Il a une bonne tête.
Ah, c'est bon, on l'a touché. Ah non, peut-être pas en fait. Comme elle a décidé d'aller dans Jump Attack en fait. Ah là on l'a touché, c'est sûr. Moi je dis nage et le Darnot te suivra, ouais c'est pas fou. Hein. On a eu l'animation. On a eu l'animation cette fois-ci. Mince. Je devrais sauvegarder maintenant. J'ai déjà sauvegardé, t'inquiète. Je sais pas justement ce qui va se passer, alors c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Comme on ne sait pas, je veux le faire. Mais j'ai déjà sauvegardé, t'inquiète. C'est... C'est pour la science. Ah, ça m'a raté. Ça commençait tôt là du coup. Je parie sur un softlock. Bah je me demande aussi, hein, je me demande aussi. Oh! Ça va, c'était bien Zelda, là t'étais pressé. Regardez le soldat de lumière là. Quel beau chevalier, quel preux chevalier même. On prendrait bien un petit ennemi. C'est bon, elle est battue. C'est toujours incroyable, hein, cette mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, on repop juste là. Ok, très bien. Bon, bah, tout va bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous entendez bien le feu d'artifice en arrière-plan. Ça... Ça fait partie de l'expérience. Bon, bah du coup... Pas mal. Je peux pas me TP. Parce que j'ai plus Midona, d'accord. Okay. Vous m'avez retiré Midona, très bien. J'entends rien parce qu'il y a trop de bruit autour de moi. Il est très beau le feu d'artifice. Je peux pas entendre ton feu d'artifice. Deviens trop fort! Mais bon, après les vidéos pendant les pluies et l'orage, des streams pendant les fêtes nationales. Mais en plus, c'est marrant parce que. Bah non, en fait, non, c'est marrant de rien du tout. Du coup, elle est encore buggée, Midona, ou... Non, c'est juste moi qui suis impatient. Possible. Il n'y a pas d'effet bloquant Midona. D'accord, ok, bon.
On va voir, hein. Est-ce que ça a encore bugué? Non! Ah, c'est bien. Bon, au moins, ça a pas bugué, c'est cool. Attends, mais je peux aller direct à Death Mountain? Change d'ink form qui ne fonctionne jamais. Eh non, mais il est terrible, lui, quand même. Que représentent les 6 icônes en haut à droite? Bah je ne sais pas. On avait dit la dernière fois que c'était potentiellement... Oh! Contrôle sans inverser? Pourquoi j'ai l'impression qu'il contre-terre? Bah c'est censé, ouais, peut-être, probablement, enfin, mais bah je sais que la dernière fois, on m'avait dit qu'il y avait plein de bouteilles qui étaient mises en attente. Pourquoi je cours? C'est incroyable. Genre, je cours avec les bottes de plomb aujourd'hui. Je suis bloqué. Par contre, c'est bien, mais... Non, c'est normal, ok, d'accord. Je pensais que c'était un bug, mais non. Tout va bien. A réussi un glitch de la version Wii. Non, mais je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal. Là. Regardez, on va faire un autre shop. Excusez-moi, les amis. Mais non, il est mort. Et vous avez fait pop un Dinolfos pour rien. Il est mort direct. Attends, et lui aussi va mourir là? Non. Ah, ok, ah, merci pour la balle de baseball, j'ai beaucoup aimé. Ah, il va pouvoir se détendre. Voilà. Ah, il se détend dans son bain, c'est bien. Mon pauvre Dinolfos. Ouais, j'avoue que... Il s'est fait dégommer, là, le pauvre. Comme ça, non. Regardez-moi comme je cours vite avec mes bottes de plomb, c'est incroyable. Sur GameCube, j'ai la version GameCube, mais bon bah je n'y joue pas sur GameCube parce que on va dire que le cord contrôle est un peu incompatible avec avec la version GameCube, mais oh, je suis sur émulateur pour le coup. Bon, c'est sûr que si je pouvais jouer sur vrai hardware, je l'aurais fait. Oh,
Oh, vous avez transformé Link en mini-Link. Incroyable. Regardez, on va être envoyé sur la lune, là, parce que Link, il est tout léger. T'as raté à cause de ta taille, exactement. Ah non, ça va, y a pas besoin de... Ah non, faut quand même faire le challenge, ok. J'étais en train de dire cool, y a pas besoin de le refaire. Salut Xivananas, merci pour l'abonnement. Il est taquin le monsieur doyen. Du pauvre. Ah bah c'est lui qui m'empêche d'aller sauver son chef là. J'avoue que je suis parti du donjon, j'aurais pu au moins finir le temple de la forêt. Non non non, moi je suis parti. Oh, c'est bon. J'en n'ai pas besoin moi du temple de la forêt. Oh, oh le pauvre rat. Ah non, il est encore en vie! Mais il nage! Mais regardez-moi ça! Ah, il en a rien à faire. Non mais voilà, voici l'ennemi le plus puissant de Zelda, hein. Il est là. Est-ce que je peux l'attirer comme ça? Qu'est-ce qu'il est passé? Ah, il est mort! Bon, bon, alors... Alors... Je crains... qu'il n'ait... C'était une mort instantanée! C'était une mort... C'est le rat le plus puissant de son armée. Ah ouais, non mais là... C'est mon rat de compétition. Ah bah bravo Rhinastock, là j'avoue que tu l'as bien entraîné celui-ci. C'est bien parce que t'arrives à courir avec les bottes, mais Link, il arrive quand même pas à sauter. Il voulait vivre en tant que nageur synchronisé dans la lave. Ah mais il était bien. Ah mais il était merveilleux, il était magnifique, hein, franchement. Franchement, je voulais... J'espérais l'amener vers moi, en fait, pas le tuer. Mais visiblement, les rats, ça aime pas les boomerangs.
Oh, bah oui. Dommage, Wild Link a besoin des boots. Oh purée. Ouais. C'est un sacré feu d'artifice quand même. On est en train de manquer. On en profite avec nos oreilles. Ah ouais, non, mais... Eh, franchement, il avait l'air bien, du coup, celui-ci. Mais c'est bruyant, ces bruits de tambour. Ah, mais il fête le fait qu'on a réussi à faire un donjon, donc... Et qu'on va en faire un deuxième. C'est bien parce qu'à chaque fois que j'entends le bruit de l'effet, je me dis à chaque fois qu'en fait vous avez fait pop un monstre, mais en fait pas forcément. L'année prochaine, faudra pas stream le 14 juillet pour profiter du feu d'artifice. Bah, en général, c'est vrai qu'on en profite du feu d'artifice. Mais en fait, on vit dans une ville, mais c'est terrible comment c'est absolument pas annoncé les trucs. Parce que le pire, c'est que j'ai re-regardé aujourd'hui, hein, pour de vrai. Je m'étais dit que j'allais me jeter dans la lave, ok. Je m'étais dit que j'allais re-regarder juste pour voir, et je n'ai pas vu une seule annonce qui parlait de ce feu d'artifice. Vraiment, genre. Et comme on en avait entendu un hier, je me suis dit, bon. Finalement, c'était hier. On était censé faire une sortie. C'est vrai qu'on était censé aussi faire une sortie. Donc c'est pour ça, en fait, qu'à la base, je disais, donc, pour la semaine dernière, donc je disais, ouais, le crowd control continuera vendredi prochain, donc aujourd'hui, ou mercredi. Mais, parce que bon, bah, normalement, je devais faire une sortie pour faire le fameux 14 juillet, peut-être. Techniquement, la Splatfest commence en 3 heures, c'est vrai. J'avoue que finalement, on n'a jamais fait de Zelda dans un donjon. Ça passe quoi? Je me demande si on repop exactement dans la même salle, tiens, on va voir. Ouais, je crois que là, elle fait son triangle. Ah, ça l'a fait ça. Oh, mais... Comme on n'a pas les effets, bah, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'elle fait en fait. Ouais, elle m'a bien joué. Enfin, elle m'a bien eu. Cette cinématique est merveilleuse, hein. Peu importe la salle dans laquelle on est. Ça crache, ok.
Bon. Bon, bah, maintenant, au moins, on sait que, du coup... Enfin, ça... Ouais. Au moins, on sait maintenant qu'il ne faut pas... battre Zelda dans un boss. Dans un donjon. Au moins, on le sait maintenant. Donc t'avais sauvegardé. Bah non, mais de toute façon, je sais qu'il faut sauvegarder. Je sais qu'il faut sauvegarder avant de faire un test dans un jeu. Donc c'est pour ça que j'ai bien pensé à sauvegarder avant. Bah, n'en invoquez pas parce que je les affronterai pas du coup. On va tester. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ouais, ça marche pas. Du coup, je dois reset la session. Voilà. Hop. On va faire un test. Le beau gobelin, il est bien apparu. Est-ce que toi tu sais nager? Bon, toi tu sais même carrément pas tomber. D'accord, très bien. Bon bah voilà, vous avez 50 pièces gratuites à nouveau. Voilà, j'espère que vous êtes content. Il est tombé finalement. Ah, vous pouvez faire pop. Voilà. Va dans ton bain de lave. Le rat est mort cette fois? Non, pas le rat. Impossible pour lui. Va dans ta chambre, va dans ton bain. Ah, j'avoue là, meilleure fonctionnalité de Kingdom Hearts. Hein. Pouvoir renommer les attaques. Franchement. Quelqu'un utilise 100 pièces pour donner 50 pièces à tout le monde. Écoutez, en théorie, oui. En fait, il suffit juste de se dire, ah, je vais invoquer une Zelda dans un endroit où Dami sera tenté de voir qu'est-ce que ça fait. Et puis, et hop, voilà. Si jamais ça freeze, vous avez gagné. Mais bon, après, voilà. Le fait est que, en fait, progressivement, il va y avoir de moins en moins d'endroits où je vais le faire, du coup. T'inquiète pas, Ryan, je n'ai pas oublié la vague de Mario Kart. Parce que j'avoue que je ne suis pas... Après, je suis pas le plus gros joueur de Mario Kart de tous les temps non plus. Un coffre là... Ah oui, il est là, ok. Donc, ouais, mais on me dira, oui, mais il y a qu'un Koopa. Faut juste maintenant 25 pièces maintenant pour Zelda. Non, mais invoquez pas Zelda pour de vrai. Hein. Franchement, vous allez perdre votre argent. Je ne l'affronterai pas. Donc, vraiment, ne faites pas pop Zelda. Déception est énorme. Il n'y a rien ici. À
As-tu déjà fait le randomizer de Ocarina sur 3DS? Oui, je l'ai déjà fait. Ah! Ça, c'est pour aller dans le désert, je crois. Je vais invoquer le Zelda dans le boss du temple abyssal juste pour la science. Ah non, je peux pas me battre ici, en fait. Dommage qu'on ne puisse pas améliorer les crocs de Linkelou. C'est vrai qu'on peut pas, hein. Linkelou, il reste le même début jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que vous avez lancé cette fois-ci? Oh, il est où le coffre, là? Il était là. En plus, c'était important. Comme quoi, hein. Il faut faire attention. Bon. Il est trop fort tellement qu'il passe dans les autres Zelda. Ah non, mais Linkelou. Faut pas sous-estimer Linkelou. Ah, c'est trop bien quand même, ça c'est un truc qu'on peut faire dans la version Wii. Je me suis j'ai jamais streamé la version Wii de Twilight Princess, je crois. Comment? Je n'ai jamais joué à Twilight Princess sur Wii. Inadmissible, il va falloir corriger cet affront. J'ai oublié Baba, bon ça va, je n'ai pas besoin de Baba, mais Baba est pas randomisé. Imaginez, vous faites ça alors que je suis dans... Je sais pas à quel point... En fait, j'ai dit ça, mais j'ai l'impression que finalement, en fait... Tout le monde a joué à la version Wii de Twilight Princess, en fait. Pas tant de gens que ça. Comment tu fais pour courir avec les bottes de plomb? C'est une fonctionnalité du randomizer. Après, si tu demandes dans... sur la Wii, il faut équiper les bottes de plomb, les activer. Au moment où tu décolles, il faut changer de bouton des bottes de plomb. Ça marche pas sur GameCube parce que Link, il a toujours les... Enfin, si tu changes de bouton, Link, il a toujours les bottes d'équiper. Alors que c'est pas le cas sur Wii. Tu peux rouler quand t'es au plafond? Non, on peut pas rouler quand on est au plafond. Bon, là, tu peux appuyer sur A autant que tu veux, ça marche pas. Oh, par contre, le bruit est horrible. Pourquoi il est autant saturé? Passons-moi la main. Le Twilight Princess a eu zéro pub et il est sorti après la version Wii. Je pense que voilà, plein de gens ont joué à la version Wii.
Ouais, je pense aussi. Bah, de toute façon, je pense aussi que globalement, de toute façon, en plus, elle coûtait extrêmement cher, la version GameCube, sachant qu'en plus, elle n'a jamais baissé de prix, elle est sortie en 200 exemplaires. Bon, j'abuse un peu, mais... Elle est vraiment pas sortie en beaucoup d'exemplaires, la version Wii. GameCube, pardon. Oui. La version Wii, justement, est très très bien, elle a pas de soucis. Et la version Wii est en miroir. Ah, la version Wii est en miroir. Ouais, ouais, elle est en miroir. Tout ce qui est à droite est à gauche et inversement. Même à l'époque, elle coûtait cher. Bah, elle coûtait pas plus cher qu'un autre jeu, mais disons que... Disons que, bon, en général... J'ai même pas vu ce que j'ai gagné, en fait. Bah disons qu'en fait, je sais plus, j'avoue, je sais plus si elle coûtait 60 ou 70 euros en fait. Oh, ça y est, on a gagné une bouteille incroyable. Vous avez retiré mes bottes de plomb. Regardez-moi ça, là, comme il est trop fort, Link. Mais je crois, hein, je sais plus si c'est... Bah, en tout cas, c'était soit 60, soit c'est 70, mais bon, je dirais, j'aurais plus tendance à dire 60 quand même. Je m'en souviens peut-être mal, hein, mais... Bah, en fait, ça m'avait un peu choqué quand même. Mais de toute façon, ce qui me choque le plus, de manière générale, c'est vraiment à quel point les jeux Nintendo ne baissent jamais de prix, en fait. Genre, c'est toujours... C'est toujours cher de jouer à un jeu Nintendo. Il y a une explication technique derrière cet effet miroir entre la Wii et la GameCube parce qu'il me semble que c'est pas le seul jeu concerné par cet effet miroir lors du portage. Ils ont mis le jeu en miroir pour faire un Link droitier en fait. Parce que, étant donné que la majorité des gens sont droitiers dans la vie. Ils se sont dit que avoir une Wiimote dans la main gauche, ça paraît ça. Enfin, non. Avoir une Wiimote dans la main droite et un personnage gaucher, ça pourrait être perturbant. Mario Kart Wii U, Mario Kart 8, enfin, du coup, il est un portage de la Wii U qui a bientôt 7 ans et toujours au même prix. Bah, au-delà d'être un portage, ce qui n'est plus tant que ça un portage maintenant, finalement, puisque avec tout le contenu qui a été rajouté. Je sais plus du coup, là, enfin, je sais pas en fait même. Je sais qu'ils ont rajouté des personnages avec, genre, je sais pas, Flora Piranha. Y a rien ici. Et compagnie, mais. Ils sont payants ou ils sont gratuits, eux, les personnages? Par contre, ça leur est pas venu à l'esprit que des gauchers veuillent y jouer, alors que ça aurait été sûrement plus simple d'ajouter un mode gaucher qui annule le miroir. Bah, moi, de toute façon, j'avoue que... Moi, de toute façon, c'est vraiment un truc que je comprends pas trop. Le mode gaucher. Ils sont avec le DLC. Ouais, mais je sais qu'ils sont avec le DLC, mais je veux dire, ils sont payants. Ou... Enfin, du coup, j'imagine que oui, ils sont payants. Non, gratuit. Ah, donc du coup, ils sont gratuits. D'accord. Là, du coup, ils sont avec la mise à jour, pas payant, donc.
terrible. Non, vous êtes trop méchants. Vous inquiétez pas, mes frères et moi, nous sommes gauchers, on jouait quand même avec la Wiimote avec la main gauche. Mais en fait, oui, mais en fait, ça fait partie des trucs où je me dis, mais en fin de compte, j'arrive pas trop à voir en quoi c'est si perturbant que ça, et même pour un gaucher, parce que je me dis... Mais en fait, on a toujours eu le stick à gauche, donc je me dis que t'as toujours envie d'avoir ton stick à gauche, quoi qu'il advienne, même si t'es, que tu sois gaucher ou droitier, en fait. Enfin, moi, personnellement, je me dis que je préfère avoir la... Bon, alors par contre, va falloir que je me souvienne de comment on va chercher ce coffre, parce que je le sais, que je l'ai déjà fait. Par jouer en mode droitier exactement pour cette raison. Mais oui, mais finalement c'est pas vraiment un mode droitier ou quoi du coup, parce que bah, ça c'est juste une question d'habitude en fait. Parce que là-bas il y a ça que je peux faire avec le grappin, mais le grappin il l'atteint pas ici. Ouais, peut-être que si en fait. Finalement plus de trucs complexes que ça. Ah mais si, j'ai une clé en fait, je pensais que j'en avais pas. Ah, le rat, il est de retour. Oh si, il faut venir plus tard avec le grappin. Mais bon, ça tombe bien, on l'a déjà. Bon, finalement j'ai dit que je battais tous les ennemis, mais le rat... Un rat qui nage, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc je suis obligé de le laisser. Ce coffre de l'arnaque, on... J'ai déjà essayé de jouer à Twilight Princess avec la Wiimote dans la main gauche, l'épée ou la visée à la main gauche, ça me perturbe pas du tout, mais le stick à la main droite, je peux pas. Ouais, non, mais bah pareil, pareil, pareil. Mais le stick, c'est vraiment, moi de toute façon, c'est vraiment le stick. Hein. C'est pour ça que c'est assez amusant de faire des challenges comme ça, là, genre Mario Galaxy, tu joues avec la Wiimote à droite et tout. Enfin, l'inverse, pardon. Enfin, voilà. Enfin, le stick à droite et tout. Moi, je... Bah, après, on s'y fait, forcément. Donc, on finit par s'y faire, donc... Avec ce bourrage, j'y vais, merci. Oh... Oh... Bien vu, bien joué. Le rat doit mourir aussi. Non, non, non. La bombe bien timée. Ah non, mais là, ça y est, vous commencez à établir des stratégies stratégiques. Par contre, comment je remonte, moi? Ah, ça a l'air d'être là. La gourmandise est un vilain défaut, on m'a dit. À quel moment autre qu'un crash on gagne des pièces? J'en donne toutes les heures en fait. Enfin toutes les heures de session. Donc là par exemple ça fait 18 minutes que la session est en cours. Donc bah
Potentiellement, ça, je dirais bien que ce serait dans 42 minutes, mais j'imagine que j'aurais arrêté d'ici là. Allez, dépêche-toi de te tourner. Voilà. Ça ne pouvait pas m'exploser. Oh, un speedrunner de Twilight Princess, là, ça fait plaisir. Ah oui, c'est ça qui va me permettre de finir le jeu, merci. Imaginez, c'est ça qui me permet de débloquer Ganon. Rendez-vous compte. Bah décidément. Les insectes pour Macaon. Ah bah y a un classique ça. Ouais, je comprends, vous avez envie que je descende plus vite. Oui, il y a bien un feu d'artifice chez moi finalement. Bah, je m'attendais plus qu'effectivement à ce qu'il soit vers cet horaire-là, parce que bon, comme ça on approche plus ou moins de minuit et tout. Tu as fait combien de fois toi être princesse 1, 2, 3, 4, 7 fois je crois, 7, il me semble que c'est 7. On dirait que ça se voit pas trop vu comment je connais pas très bien le jeu. Il faut que je l'attaque en fait. Ouais, bien trollé à me changer de à me changer de bouton. Ah, on va retirer les épées. Donc on va aller se promener un petit peu. Sèche tes larmes, on va aller se promener. Oh, le ridette bien placé. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh mon dieu, on glisse. Il s'est jeté dans le feu avec moi, hein, quand même. Ah, il est venu, il est reparti. On peut pas faire un combat sans qu'il y ait Zelda, hein, c'est ça? J'avoue, on n'a pas gagné d'objet encore ici. Legend of Zelda. Ah, pauvre Zelda, elle va se faire noyer dans le feu. Zelda poulie, elle attend que le dialogue se finisse. Bah, quand même, c'est une princesse. Elle a... On lui a inculqué des valeurs, quand même. Oh, bah, elle est là. Bon bah merci, c'était un plaisir.
Non mais c'est sympa ces trucs hein, quand même de boss là en plus parce que ah, ça rajoute un peu de challenge finalement dans les combats de boss. C'est pas mal. Enfin, boss, mini boss. Elle peut te suivre. Bah elle nous suit pendant le combat, oui. Alors mais en fait finalement vous faites juste une version un peu plus difficile de Twilight Princess. Je comprends, tu es pressé. On a peut-être pas besoin de les tuer, mais allez, c'est pour le spectacle. Là, il n'y a rien. Salut Ryan. Ce Legend of Defeating Zelda. Non, mais c'est clair, on n'aura jamais battu autant de Zelda. Non, mais c'est bien parce que, aussi, finalement, voilà, moi je vous le dis, vous m'avez été bien utile, vous m'avez appris des trucs sur Zelda. Sur Zelda, sur Zelda, sur Zelda. Zelda possédé, parce qu'en fait, il s'avère que je viens d'apprendre, du coup, enfin, viens d'apprendre. J'ai pu constater par moi-même qu'en fait, si tu te mets juste en dessous d'elle, bah, elle meurt en un coup. Enfin, pas en un coup, mais il n'y a pas d'échange, en fait. Donc c'est trop bien. Donc il faut le faire en dessous. Et voilà, ça, je ne le savais pas. Enfin, peut-être que je l'ai su, mais en tout cas, je m'en souvenais pas. Donc au moins, bon, bah, voilà, maintenant, ça devrait rester en tête, maintenant. Alors, on a le truc... Il reste un coffre quand même. C'est lequel là qui me manque? Je vous remercie pour nos bêtises. Bah merci, mais oui, mais. C'est quoi un rat? Oh, le rat. Non, les rats, je ne peux plus les tuer. Maintenant que j'ai découvert la vérité. Aussi, on a appris que les rats nageaient dans la lave. Mais oui, vous voyez tout ce qu'on apprend, c'est quand même pas mal. Quelle vérité? Bah que les rats nagent dans la lave, voilà. Ça. Voilà, les masses de flèches, moi. Bonjour. Merci. Oh purée, j'ai eu peur. Ok, il les avait jetés dans le... Ouais, je recheck ce qu'il y a de dispo. Pour Rock Arena finalement, c'est... Imagine, on peut faire spawn des... Et Iron Knuckles partout. C'est un peu le rêve de... Ça, c'est un peu le rêve de tous les... De tous les modeurs de l'époque, des années 2000 de... d'Ocarina of Time. Mettre des... Des H-viandes partout, voilà. Go avoir des... Ah mais je peux pas regarder, j'allais dire ah je vais les regarder mais non je peux pas. Si je peux pas puisque le logiciel me permet. Bon, je regarderai à la fin du stream. Je suis étonné que personne ne t'ait mis mort instantané. Je sais plus combien il coûte, peut-être pour ça. Hein. J'avoue que j'ai laissé les trucs de base, hein. Je les ai pas trop modifiés. Enfin même pas du tout en fait. Mille pièces. Ok. Mais c'est le truc, c'est vraiment le truc de base. Ah bah c'est bon, c'est revenu. J'y ai pas touché. Moi bon, j'y touche assez rarement au truc. Et vous voulez pas. Ah c'est bon, c'est bon. Hop. Bon, on y est bientôt.
gagné pas mal de cœurs, ça va. Bon, il est peut-être préférable. En fait, là, j'avoue, je sais jamais. En fait, si c'est mieux que je refasse machine arrière. Ils ont pas repop les ennemis en fait. Ouais, lui, je le tue, ça me fait plaisir. Voilà. On est un peu cruel par ici. Il n'y a pas que, moi, ou alors c'est un retour de bâton. Oh, faut des cheers pour déclencher les événements. Tu peux acheter avec des cheers, effectivement, plus de pièces, mais ce n'est pas une obligation. Oh, merci beaucoup Picture pour le raid et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, c'est un crowd control sur Twilight Princess. Du coup, c'est le chat qui peut agir sur mon jeu. Notamment en faisant apparaître des rats qui nagent, en fait. Et ça, c'est pas mal. Salut Swan. En plus, vous arrivez pile au bon moment, parce qu'on va aller se faire un petit boss, là, ça va être sympa. Hello, good evening. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, on est d'accord que j'ai absolument rien gagné dans ce donjon, hein. Puis pour mettre 6 Zelda, ouais, c'est ça. Ça va être bien, ça va être pas mal d'affronter. J'ai oublié son nom. Ah non, j'avoue que j'ai oublié son nom. Mag. Si, deux insectes. Ah oui, 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 effectivement. Deux insectes qui ne contiennent peut-être rien, mais. Virus. J'avais hésité, hein, je m'étais dit, ah, Virus, est-ce que c'est vraiment Virus ou pas? Je ne sais plus son nom en français. Ah, donc c'est pas son nom en français, d'accord, on est d'accord. Donc. Non, mais les noms de des boss de Twilight Princess... Enfin, de toute façon, globalement, les noms de Twilight Princess, j'ai envie de dire, même. C'est assez terrible, finalement, on s'en souvient jamais. Peut-être le boss va te donner un truc incroyable plutôt qu'une clé. Bah, c'est possible, là. Mag maudit, non? Oui, c'est ça. Bah alors, Xivananas. Tu fais partie des raids. Ah, tu fais partie du raid, plutôt. Attendez, quoi? Ah, mais d'accord, vous avez retiré les acteurs. Je suis en train de me dire, mais attends, il y a un problème, là. Ah oui, j'avoue, attends, c'est pas celui-là, c'est pas ce skill-là que j'ai. Ah non. Je pensais que j'avais... Bon. Faut pas me faire tuer quand même, hein. On aime bien le lag. Peut-être qu'ils vont me donner un petit peu de cœur, ça serait sympa. Bon bah, en fait, finalement, vous êtes sympa, vous m'avez donné des cœurs. Ok, let's go! Pourquoi tu vas vite avec les bottes de plomb, c'est des mods? Ouais, bah comme en fait, je pense que c'est une fonctionnalité du randomizer, en fait. Le randomizer te permet de te déplacer plus vite avec les bottes. Merci Swan, c'est gentil. Ah mince, je l'avais en fait. Regardez, regardez-moi cette force incroyable. Ça a l'air de la poupée de Zelda, ouais, non. Ah bah voilà, c'est bon. Ah non mais, ok, ils avaient mis tout le monde d'un coup. Hein.
puis... Allez, le but dans les combats de boss, c'est de ne pas tuer les ennemis. Parce que comme ça... Incroyable, je ne savais même pas qu'il faisait ça. Genre, en fait, je vais découvrir des attaques sur ce boss. C'est incroyable. Vous saviez qu'il faisait ça? Ça marche pas, c'est vilain. Ah, qu'est-ce qui fonctionne pas? Oui, je savais, pas du tout. On découvre des choses avec le code contrôle. La transformation en loup. Bah, j'ai l'impression que ça a pas l'air de marcher pendant les combats de boss, effectivement. Ah, le rat. Ah, le rat, c'est le... Ah, le rat, c'est le boss ultime. Non, mais regardez-le. Je l'ai pas vu, c'est la vague de feu. Ouais, ouais. Un truc qui montre... Allez, deux Zelda quand même, hein, parce que deux Zelda valent mieux qu'une. Ah, on a réussi, incroyable. Ah, il était plus facile celui-ci, du coup. Et puis il y a le Darnut, hein, toujours dans le... Ah, toujours dans le spectacle. Il y a tout le monde qui se promène, c'est incroyable. Il y a le rat qui regarde aussi un peu ce qu'on a gagné. Est-ce que Zelda peut être spawn sous l'eau? On dirait que tu fais du crossbow training. Shadow, it feels warm to the touch. On a encore gagné une fille de Shadow. Oh, du coup, on a gagné un quart de cœur. Non, mais. Ah mais encore ! Ah, vous avez pas fini. La streameuse qui t'arrête te remercie, elle ne peut pas directement te le dire à cause du follower only. Eh bien merci beaucoup à elle, oui, ben... Puis ben, j'espère qu'elle s'était bien amusée sur ton stream. Non mais... Non mais... Ah vous êtes... Ah vous êtes bien là. Vous avez mis 1 milliard de Dinolfos. C'est ça la vraie strat pour battre des Zelda. Elle était battue, elle. On est bien avec nos bottes de plomb aussi. Franchement.
Ah mais j'ai plus d'épée en fait. J'avoue que je comprends pas trop comment ça fonctionne le truc de l'épée, parce que des fois j'ai l'impression que ça revient vite et des fois... Ah non, là c'est bon, ça revient. C'est bon. C'est le coup le plus nul qui ait fini un combat de boss, hein, je tiens à dire. Mais au moins... Mais au moins... Ça ne bug pas ici. On a le droit d'affronter Zelda. Bon. Très bien. On s'est bien amusé. Bon, je dois donc rentrer à ben là. J'adore le change de forme de Link qui ne fonctionne jamais. Non, mais j'avoue que ça, c'est un truc que je comprends pas trop, hein, effectivement. Je ne saurais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, vous avez éliminé Midona. Vous voulez pas que j'aille chercher mes... Merci Picture. On termine le Temple Mojo. Je l'ai déjà terminé en fait, le Temple Mojo. Enfin, c'est vrai que ça serait pas mal que... Ah ouais, non mais le terminer, oui. Bon, il me reste un truc à aller chercher, effectivement. Bonne chance face au rat invincible. Goût pour 20 Zelda. Bah, vous savez, affronter des Zelda, c'est un peu compliqué quand on... Quand on n'a pas de Midona. De Midona car l'effet est terminé. Pourquoi Link Loup porte le bouclier Ilia et l'épée de légende? Parce que Midona n'est pas disponible en fait. Et comme Midona n'est pas disponible, en fait ça met l'épée et le bouclier de Link. En fait c'est comme dans le dans la phase avant avant de faire la première le premier passage au crépuscule en tant que Link Loup, Link ramasse la Horden Sword et le bouclier de Toal. Et il le porte sur le dos, en fait, parce que en fait, c'est un état qui est avant Midona, finalement. Par contre, ça fait un peu long, non? Bon, je crois que ça a encore bugué. Allez, c'est pas grave. Ah non, c'est carrément le... Non, mais c'est encore le truc qui a bugué, d'accord, non mais... Eh hey, mais c'est insupportable, hein. Le crowd control qui fait que bugger tout le temps là. Allez, j'ai relancé le crowd control. Vous avez le droit à 50 pièces gratuites.
Merci Midona d'avoir bugué encore. On va sûrement jouer qu'une vingtaine de minutes. Finalement, on a bien progressé quand même. On a fait deux donjons, c'est cool. On peut remercier Midona aujourd'hui, elle a donné pas mal de pièces. Ah, c'est clair que Midona aujourd'hui... Bon, alors, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Non mais un classique celui-là, hein. Vraiment, je m'en lasse jamais, hein. Je ne m'en lasse jamais. Parle à... Bon, par contre, je veux pas dire, mais vraiment, là, les mines Goron n'ont servi à rien. Hein. Ah, super! Fourmi. Bon, voilà. Ah, mais on peut faire disparaître Midona. C'est juste que parfois... C'est juste que parfois, ça... Ben parfois ça bug, je sais pas trop pourquoi, mais... Quoi? Mais... Attends. C'est quoi, j'avais encore un... C'est ça un Elmazor? Oui, c'est ça un Elmazor. Il me reste des insectes en fait. Pardon. Du coup... Ben là, je serais tenté de dire qu'on doit aller au lac il y a. Il s'appelle comment le Dinolphos ailé alors? Il s'appelle Aeralphos. Bon, je vais rechecker si tout va bien. Parce que j'avoue que... Ça va, j'ai bien tout récupéré ici. Combien il y avait de coffres ici en fait pour ça. Ouais, peut-être que deux. Attends une minute. Zelda sous l'eau. Bah en théorie je pense qu'elle peut apparaître sous l'eau. Il se passe quoi si on change ta forme alors que tu es accroché à du lierre? Et ben ça marchera juste pas en fait. Genre tu vas dépenser de l'argent pour rien, je pense. Je peux peut-être faire le temple de la forêt en fait. Mais oui, pas de la forêt, je vous l'ai dit.
Je veux faire le temple du temps, en fait. On est probablement sur le meilleur endroit pour se battre, hein. Là je... C'est tellement bien pour se battre qu'en fait on n'y arrive même pas. Genre oui. Ah si, c'est bon. Classe de se battre là. Ah ouais, non mais là on est bien, hein. Oh, regardez, on a vu l'effet, incroyable. Sauf qu'il était juste en haut, mais on a vu un effet. Qui pour se battre sur un pont? Hey Zelda, là, vite, vite! Qui va tomber, il va voir, c'est incroyable. Mais non, mais pas ici. Bon. Bon, je pense qu'on va pouvoir se faire le donjon là du coup. Me dit... Ouais, il y a une fonction pour reset le jeu. Round 2. Puis si tu ne veux pas qu'on avance, c'est une test. En fait, je vais instaurer une règle, ça va être... On a le droit qu'à une seule Midona par zone, en fait. Pas Midona, Zelda. Bon, vous avez désactivé Midona. Est-ce que ça va bugger encore ou est-ce que ça va être bon? De toute façon, je verrai bien qu'on passera à 23h54, hein, mais... Après, vous aimez bien le moment où on attend une minute. Ah bah ça a bugué en fait, là je vois. En fait, là je l'ai vu, le crowd control. Bah du coup, là, vous avez eu un crash ou pas du stream? Ou pas du tout? Genre là, par exemple. Vous avez pas eu de coupure? Non, vous avez pas eu de coupure, du tout. Ok, donc là c'est crowd control donc du coup. Bon, vous savez quoi? Je pense que je vais quand même désactiver Midona hein, du coup. Parce que là, bon.
Je vais désactiver le fait de désactiver Midona. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, elle est où? Ah, il y avait le freeze caméra, c'est vrai que j'avais désactivé parce qu'il ne fonctionnait pas. Finalement, j'ai craqué. Au début, je vous disais que je le ferais pas, mais bon. Si, bon, si toutes les 5 minutes, je dois désactiver, réactiver le truc. Voilà. Enfin, je sais pas, si ça se trouve, c'est pas ça, mais... Mais... Si ça se trouve, c'est vraiment juste le crowd control qui bug, je ne sais pas. Mais... Les gens le font exprès pour avoir des pièces gratuites à vous. Si ça se trouve, hein, on ne sait pas. Oui, il vole. Oh, purée. Ah, ce sauvetage. Là, il y a eu une micro-coupure. Attendez, au pire, je vais regarder un autre truc. Pendant qu'il y a un magnifique loup qui chante. Je vais me dire, en fin de compte, est-ce qu'il y a plusieurs redifs de ce stream? Parce que s'il y en a plusieurs... Voilà, pour l'instant, je vois que non. Donc, ça n'a pas l'air d'être ça. Enfin, ça n'a pas l'air d'avoir coupé, effectivement. Après, en général, voilà, s'il y a vraiment une micro-coupure de quelques frames, ça Twitch arrête pas, mais... Oui, mais il manque un loup, là, aussi. Il est où, l'autre? Je crois qu'il est dans le désert, non? Y a pas de crash, juste des lags. Ouais, mais les lags, en fait, ça vient du crowd control, de temps en temps. De temps en temps, ça crash, effectivement. Enfin, ça crash, ça lag, mais c'est normal, en fait. C'est les premiers effets. Quand vous lancez un effet, parfois, ça lag un peu, parce que bah ça modifie le jeu, donc... Ouais, j'ai ça, moi. Mais depuis quand? Bon, je vais sauvegarder. Ah, mais Link Test, je lui ai dit... Ouais, non, mais une seule par zone, et Link Test a fait OK à chaque nouvelle zone, donc. Alors, en plus, je me disais que... J'avais sûrement arrêté. Genre, je fais le temple du temps et je pense qu'on va s'arrêter. On fera les autres donjons la semaine prochaine. Oh, on l'a touché! Incroyable! Cette musique des voix perdues. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Oh, le rat! Bah oui, Zelda et son rat, on connaît, hein. Oh non, je vais tuer le rat. Par contre, je vais viser Zelda, en fait. Je m'en fiche des autres. Ah, motivé, Zelda. Où est-ce qu'on va pop? On va repop dans l'autre zone, ça va être
Ça va être insane, je vais être pas content, genre. Faites-moi pop directement au temple. Non, oh, non, ça va, finalement, ça va, ça va. Ça va. Tout va bien. On a un nouveau rat de compagnie. Appuie le Zelda skip n'a pas marché. Ah, faut quand même remonter Skull Kid. Je pensais que c'était bon, on n'avait pas besoin de le faire. J'avoue que ça aurait été bien, hein, finalement, que Zelda nous envoie de l'autre côté. Je n'aurais pas dit non, en fait. Ah, le Big Link. Tiens, comme je me souviens plus de l'ordre. Skull Kid se rappelle de toi dans Twilight Princess après les événements de Majora. C'est pas le même Link et c'est probablement pas le même Skull Kid non plus. Entre Twilight Princess et Majora. Donc non, du coup, il ne se souvient pas de nous puisque ben nous ne sommes pas la même personne. C'est juste un lutin taquin dans Twilight Princess. Moi, je me dis que ça peut être le même Skull Kid. Après, oui, c'est pas impossible que ça soit le même, mais c'est pas précisé que ça ne l'est ou que ça... c'est pas précisé que ça l'est ou que ça n'est pas précisé que ça ne l'est pas non plus. Attendez, attendez. Link, il est trop grand, alors il arrive pas à monter. En fait, le pire, c'est vraiment Link grand, en fait. Les autres, ça va, mais. Alors que Wild Link, vous voyez, au moins, lui, il est rigolo. Ah, c'était bon encore là. Du coup, j'ai fait tout ça pour rien. On est content. C'est pas genre... Non. Quoique... Non, c'était pas là. Je crois qu'il y a un coffre quelque part. Une ligne de Majora, il lui arrivait quoi? Il est mort, oui, comme dit Link Test. Il n'a pas su supporter le poids de toutes ces années. C'est compliqué. Le pauvre, le pauvre. Il est mort perdu en forêt. Mais non, il est pas mort perdu en forêt. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Faut arrêter avec ça, en fait. Faut arrêter.
en a qui disent, qui théorisaient que le soldat mort qui enseigne une technique à Link serait celui de Hoté. Bah oui, parce qu'il appelle Link mon fils et tout, voilà. Quatre étapes du deuil. Non mais, voyez, ça c'était un truc dont je parlais il y a 85 ans et ça marche toujours aujourd'hui. On ne parle pas. Ça fait partie d'une des lois de chat en fait. Ah bah c'était là-bas en fait. Ça fait partie de la loi des chats, on ne parle pas de la théorie de Link là, de Majora, blablabla. Non, on ne parle pas de ça, voilà, qu'on se le dise. C'est interdit, c'est un sujet tabou. Ah bah voilà, c'était là en fait. Ça n'a pas été démenti d'ailleurs. À ma connaissance, non, j'ai envie de dire. Parce que je sais qu'ils ont... Je sais que la théorie qu'ils ont démentie, c'est celle de... Comme quoi Link, il était... comme quoi Link. Non, il n'y a pas de Link. Comme quoi... Non, ça c'est... Bah, du coup, c'était bien maintenant. C'était la théorie qui a été contredite, c'est celle où il disait qu'il y avait la Quadra Force machin là et une Triforce qui compense le mal. Enfin, un quatrième triangle dans le troisième. Enfin, parmi les trois triangles de la Triforce, il y en a un quatrième à l'envers donc. Et c'est lui. Et lui n'existe pas. La Tétraforce, la Quadriforce. Appelez-la comme vous voulez. Il est passé où le Link qui est pas venu aider contre Malar dans l'histoire de Wind Waker? Ah, mais Link de Wind Waker, c'est complexe hein, ce qui lui est arrivé à lui. On ne sait pas. Bon. Merci. Dommage que cette théorie est réfutée par Nintendo. Bah en fait à un moment je pense que les développeurs de Zelda ils sont dit allez on va essayer de s'intéresser un peu à tout ce qui se dit autour de la communauté et tout. Mais finalement ils ont démenti pour la conclusion de la théorie du deuil en disant qu'il faut pousser la réflexion plus loin. Je vois, ok. Bon, finalement, il y avait peut-être des liens entre nous. Une sodesse, comme on dirait une grande sage. Autrement, le Link dans l'intro de OOT qui est pas venu, c'est le Link qui a été envoyé dans le passé à la fin d'OOT, non? Ouais, c'est ça. Merci Zelda, plus de Link, plus de héros. Ouais, c'est ça, il n'y a plus de Link parce que... Bah voilà, Link qui n'existe plus, tout simplement. Merci Zelda, voilà. Il n'y a plus de Link. Disait Malar en pensant à la fresque avec Ganondorf qui ressemble même pas à Ganon, mais c'est vrai que Link Waker est trop bizarre. Dans The Wind Waker, oui, c'est un peu plus facilement explicable. Waouh! Ah oui, non, l'autre il est dans le donjon. Ah mais non, il faut que j'aille refaire l'énigme. Les statues du machin là. Ah non, faut pas la faire. Oh, ok, cool.
Mais oui, mais j'ai pas d'épée de légende en fait. Ah oui, d'accord. Bon. Non, c'est pas grave. Par contre, j'avoue qu'il n'y a pas de check pour l'épée de légende. Ou alors c'est parce que j'y suis pas allé en loup. Bah non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'épée de légende en fait. Salut race. Battre avec l'épée de toile, c'est bien. Ouais, bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Alors. Donc attends, on va essayer d'y aller en loup pour voir. Ah c'est là. Bon attends, du coup. Ton épée a été upgrade. Oui mais attendez. Donc non, en fait, il n'y a vraiment pas de check du tout à l'épée de légende, donc. Ah, peut-être, attendez, si je vais ici. Non, ok. Bonjour. Vous voulez qu'on se fasse un petit combat, là, sur le... Link, fais un saut sur le côté, s'il te plaît. Et donc là, ça marche. Ah oui, ça marche quand même. Ok. Bon. Ok, et ça a tout passé en plus. Bon, en vérité, du coup, je vais pas aller dans le donjon, du coup, puisque j'y ai pas le droit, en fait. Donc... Parce que dans la logique, quand même, je suis pas censé y aller, donc je ne vais pas y aller. Même si je peux le faire. Donc finalement, j'ai menti. Pas de donjon aujourd'hui. Enfin, pas trois donjons, du coup. Eh, on a fait deux donjons, c'est pas mal. J'ai le meilleur combat en réserve, tu casses mes plans, j'en peux plus. Ouais, mais non, parce que c'est pas honnête, là. J'avoue que là, je peux rentrer dans le temple du temps, mais je ne suis pas censé pouvoir le faire, en fait. Mais bon, au moins, on a créé le point de TP, et ça, c'est plutôt cool.
Faudrait que j'aille dans le désert, en fait, finalement. Parce que là, ouais, ok. Voilà, donc il est bien là, je peux bien y aller. Donc, allez, quand même, non, finalement. Histoire de dire, quand même, on va aller terminer le, on va aller terminer le temple de la forêt, quand même. Voilà. Ça aurait été un sacré donjon, hein, quand même, le temple de la forêt, là. On va faire tout ça pour, attention, un insecte, ça va être bien. Eh bah non, mais attendez, quand même. Oh, bonjour. Véritablement, le donjon a vraiment... Il a vraiment servi à rien. Hein. Ah, je suis choqué, quand même. De toute façon, ce qui me choque le plus, c'est vraiment la logique de... ce qui me choque le plus... Mais... Eh, mais j'ai été renvoyé là, en plus. Mais non, mais... Eh, elle y tient, hein, quand même. Allez, quoi. Pour un rubis bleu, pour un insecte qui va donner un autre insecte qui va te donner des bombes. Ah, je vois, attention, chacun mise... chacun mise quelque chose. Qui aura raison? Les singes ont fait, non, les singes, j'avoue qu'ils sont pas... Ils sont pas... Hey, quand même, on sert à ça de base, donc... Ne nous voile pas... Ah, je peux pas faire une prédiction parce que il y a trop d'objets. Au pire, attends, si je vais faire une prédiction. Ok, allez, let's go. Comment on fait déjà? Prédiction, voilà. Je vais vous faire une prédiction. Alors. Alors. Objet comme ça. Ah, comment je peux appeler ça? Ouais, je vais. Ouais, vas-y, on va mettre ça. Allez, une petite minute. Donc normalement je crois que j'ai rien manqué. Hein. Ah si, il a manqué un truc. Mais je peux l'annuler? Non, je peux pas. Bon, on n'a qu'à dire que les quarts de cœur ça compte dans les consommables. Voilà. Et les cœurs de manière générale aussi. Genre les cœurs, les quarts de cœur, tout ça, ça compte dans les consommables. Je veux voir s'il n'y a pas des questions. J'avoue que là, du coup. T'as de la chance, car j'aurais pu à Diabolique et faire pop une Zelda pendant que tu faisais ta prédiction. Mais je pouvais très bien faire ça, Link Test. Parce que là, je pense que j'ai rien manqué, du coup. quatre points pour insecte, c'est parti. Par objet utile d'ailleurs, je compte tout objet qui peut apparaître là-dedans. Voilà. Et l'épée aussi. Ou la tunique Zora, ça marche aussi la tunique Zora. C'est fini là du coup, la prédiction?
la vois plus, donc je vais admettre que c'est fini. J'ai plus le droit de regarder la prédiction. Bah ouais, moi non plus, donc c'est pour ça. Oui, c'est fini. Ok. Très bien. Donc, bah, il me reste un objet à récupérer. Mais il n'y a pas deux objets ici? Ah ouais? Bah là j'en vois qu'un. Allez, il faut monter. Ah mince, il y a une sculpture. Allez, je suis pas un monstre, oui, c'est bon, on va te sauver. Ah, bravo. Ah, il a disparu. Ok, objet. Attention, vous êtes prêts, c'est le moment. Bon, très bien. Bravo à tous ceux qui ont voté... C'était le numéro combien déjà? C'était le numéro 2. Bon bah c'est celui qui a été le plus voté du coup. Très bien. Ah, personne n'a voté en sec finalement. Ok. Bon bah voilà, des rubis. Bien joué à tous ceux qui ont voté des rubis. Y a pas l'animation des coffres? Non, y a pas l'animation. Bah de toute façon c'est pas un gros coffre donc de base. 175K vont à l'Ivol et deux autres. Ah, moi j'allais dire, est-ce que je vois qui a voté en fait? Bon, je voyais qu'il y avait Divol. À mon avis, ça me doit être parce que Divol, ça doit être la personne qui a misé le plus en fait. Enfin, de l'équipe Ruby finalement. Bon, bah voilà, on a terminé ce donjon. On a terminé le stream accessoirement. J'y ai mis 100 000! Ah ouais! Oh ouais, ouais. Il est passé où? Il est passé là-haut? Et bien voilà, donc du coup, je vais stopper le crowd control ici. Donc, j'arrête la session. Et je voulais checker un truc. Donc, je voulais parler un peu d'Ocarina of Time avec vous. Avant de terminer. Alors, techniquement, je n'ai pas forcément besoin d'en parler avec vous, mais... Mais j'avoue que je me pose la question quand même. Zelda Ocarina of Time. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors, du coup, il y a quoi de beau là-dedans? Ah non, ils ont pas mis. Il n'y a pas la possibilité dans Ocarina of Time de mettre des ennemis. Voter le meilleur Zelda. On a appris beaucoup aujourd'hui avec Dark Zelda et Laura. Mais oui, mais oui. Enfin bref, voilà, donc du coup c'est la fin de ce stream. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et... Allez, j'ai bon espoir que ça sera peut-être la fin en fait. Ça sera peut-être la fin. Moi je pense que la semaine prochaine on peut terminer. On va faire ça en 3 streams comme on avait fait avec Wind Waker. Bref, du coup, bah merci à vous de m'avoir accompagné sur ce stream et à bientôt tout le monde.